on commence par les winners round 2, donc il y aura déjà un peu de niveau hein, sur les premiers matchs qu'on va voir. Et là, on va voir Masker contre Spotilen. Arc contre Isui. Arc contre Isui. Arc, un des persos les meilleurs du jeu. Hein. C'est ça. Isui qui était vraiment pas mal au début du jeu et qui est en train un peu d'être. Elle descend progressivement. Elle passe un peu en second plan. Les gens ont trouvé les trucs de Arc et des bons persos comme ça. Et maintenant, quand tu vois ce qu'ils ont à côté de Isui, tu te dis ouais, c'est plus si fort Isui. C'est ça. Et donc, on se lance premier match. Pour moi, le pronostic, c'est Spotilen qui va gagner. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Sati? Ah, Masker, franchement, quand il rentre bien dans le game. S'il rate pas ses setups, bon là c'est Moondrive donc là c'est pas raté, mais ça s'enchaîne vraiment vite. C'est vraiment une question de setup façon. Isui, ouais, clairement. Si tu les le bien, bento, c'est ça. Après Arc ça va très vite hein, donc. On va pas voir. De soirée, quoi. Je rappelle que le tournoi est en full FT3, donc les joueurs ont vraiment le temps de proposer des adaptations, des contre-adaptations. On va voir ce qu'ils pourront faire dans ce format. Et là, pour l'instant, Masker qui prend le premier match de façon assez convaincante. Spotilen qui n'a pas trouvé de bonne ouverture pour mettre un combo entier. Là, le coup counter en l'air. Hein. Les counters en l'air, on rappelle, les persos peuvent pas recover. Donc, si tu trouves un coup en l'air, c'est full combo direct. Hein, 42 hits, on est parti. Masker qui continue. Comment ça se passe? Oh là là. Le DP dans... Un peu loin, le dragon. Ouais. Un peu, et Masker là qui, s'il se loupe pas, aura pris le premier match. Non, voilà, c'est loupé, attention, ouais. Oh le bait, c'est bon. C'était bien vu. Spotilen qui a tenté d'activer le hit pour récupérer de la vie. Malheureusement, ça se bait. C'est ça. C'est le premier match. Ça allait vite, mais petit peu s'adapter encore. Ouais. Hop, Masker. Donc sur ce jeu, le FT3 est vraiment bien parce que sur tout ce qui est jeu de shield. On peut vraiment s'habituer en 3 matchs, ou 5 matchs si tu vas jusqu'au bout, mais... Ouais, et pour l'instant, il n'y a pas eu de shield, hein, pour un... On dit que c'est multi shield, mais pour l'instant, il y a eu 0 shield, juste Masker qui gagne pour l'instant. C'est ça. Ouais, Masker là, qui pour l'instant est bien devant, je sais pas si Spotilen il va pouvoir trouver des solutions... il a beaucoup de barres, hein, Spotilen, il n'arrive pas à l'utiliser pour des choses... La force de Arc, c'est quand même, faut quand même... toucher en garde ou en hit bien sûr, mais c'est en presse. Presse et hoki, c'est là où elle est vraiment forte. Et ouais. Potentiellement sur le jeu aérien aussi, mais du coup s'il arrive pas à gagner le neutral. Et il y a souvent aussi un problème des joueurs de Arc. C'est en offense ils sont bons, mais en défense il y a moins de gens quoi. Ouais, parce qu'ils ont trop l'habitude de presse, mais moins de se faire presse. Il y a ça, et il y a aussi le fait que leur dragon, c'est en manip en 2-2, donc en fait, c'est extrêmement puissant, t'as pas besoin de savoir de quel côté tu vas te faire taper. C'est ça. Et c'est vrai que, en plus, le dragon, t'as un follow-up que tu peux confirmer si t'as de la tension, enfin du magic circuit. Oh oui, ça c'est bien, ça, c'est beau, ça c'est vraiment bien. Il va pouvoir terminer, s'il se loupe pas, il y a un petit drop, mais c'est bon. Un petit reset. Ah, il se remet en forme. Ouais, là ça revient, il s'est pris un perfect juste avant, ça l'a réveillé, je crois qu'il a pris une petite claque là. Non, quand tu shield d'un hit en réaction, ça met bien dans la partie. Ça te remet, ouais, c'est bon pour le moral ça. C'est ça. Et à chaque fois, il y a un double moon drive. Hein. Ouais, c'est... Masker contre active à chaque fois. C'est le plus safe en général si tu veux pas... Oh là. Oh, c'est intéressant là, ça fait. Et toutes les tentatives de shield de Spotilen pour l'instant ne fonctionnent pas hein, pour la plupart. Hein. Ça ne mène pas, voilà, c'est que des shields en Wii. Mais Masker n'arrive pas à en profiter pour l'instant. Non, il a. Là, c'est Spotty qui revient quand même. Hein. Mm-hmm. Et après avoir pris premier match sans jouer, limite. Deuxième match, il prend en perfect. Et là, il est sur le board de gagner. Il a bientôt les 3 barres, donc il aura. Il aura accès à l'Arc Drive. Voilà. Il va pouvoir faire des punish full screen, mais bon, il se fait shielder. Attention, ça tue pas, il n'y a pas de barre du côté de Masker. Ça préfère utiliser la barre pour récupérer de la vie. On va voir ce qu'il va pouvoir faire de ça. Ouais, les shields de Spotty, ils sont pas en flic hein, pour l'instant. Un peu shield de la panique. C'est ça. Il décide d'inverser les positions, mais ça va mourir. Ouais. C'était quand même mieux qu'au premier match, on va voir si.
C'est conduit comme ça, j'ai l'impression qu'il arrivait un peu mieux à gérer le neutral. Parce que le premier match, il a pris tous les projectiles. Ouais. Ouais, mais Spottien, il est pas assez incisif là. Il commençait à trouver des choses, mais il a l'air un peu timide là sur ses prises de prendre son tour, récupérer le pressing, récupérer un combo. Hey. Ouais, double activation d'une drive, comme d'habitude. C'est ça. Master, s'il le fait pas là, il sait finir, donc il est obligé de l'activer. Hey. Ah, ouais, c'est pas confirmé ça, Spottien. Tu peux pas te permettre alors que t'es en train de perdre 2-0 déjà. Et le lot de base derrière. Masker qui est très très bien parti là. Pour, il part vers le 3-0. Hein. Ouais, bah là. Hey. La Maple Ben. Hop. Ouais, oh, il voit tout. Masker, il voit tout. Oh, ah, c'est quoi cette punition? Bah, c'est ça. Tu vois, ça, c'est le syndrome Spottien pour l'instant sur ce match. C'est qu'il trouve des ouvertures, mais il n'arrive pas à vraiment faire quelque chose de menaçant. Merci beaucoup. Merci. Bon, Masker, il a un round de gagné. Ouais. Nice. Hey, ça c'est une bonne ouverture, il va falloir confirmer jusqu'au bout. Aïe. Et Spotty drop, il est pas à l'aise là sur ce match malheureusement. Voilà, ça c'est un full combo, super. Quoi, c'est hey. Double overhead. Ah, ouais. Et malheureusement il avait fait 2 as sur le hit, il a pas réussi à quand même le punir. Et Spotty Lane il est pas 100% réveillé, mais il trouve de plus en plus d'ouverture. Il faut qu'il confirme. Ouais. Spotty, il faut que tu confirmes là, ça te coûte trop cher. Beaucoup trop cher. Bon. Masker qui lui rend un petit peu. Et il drop à son tour. Ouais, ça c'est bien chidé. Super. Hey. Il a 4 barres à ce petit là. Oh, 540 hier. Ouais. Ouais. Oui. Ah, ouais. Oui, ouais, bah, oui là, avec la mise à jour maintenant tu peux contre-shielder hein, sur les ex. C'est ça. Tant qu'ils sont pas invincibles, tu peux. Ah, c'est la mort. Ouais, c'est là. Oh non, là 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 là. Les joueurs ne sont pas prêts. Oh là là. Ils sont pas prêts à être décisifs. Attention. Est-ce que Masker il va regretter? Ouais, et non, tu vois maintenant les shields de Masker sont toujours bons. Lui il fait pas de whiff de shield. Il s'est adapté au. Il a vu qu'il venait souvent avec son JC, il faisait rejump, JC, j'y vais, tout ça, et du coup il l'attendait juste avec un stand shield. Ouais. Masker qui a été très très lucide hein, sur l'évolution du match. Ouais, 3-0. 3-0, pas trop contesté là ce qui s'est passé. Ça, peut-être si au deuxième match il avait réussi à pas drop, Spotty aurait pu revenir un peu dans le. Et peut-être que ça lui aurait fait du bien. C'est ça. Psychologie.